Alors bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Fox Rage, donc sur le lac de Vouglans encore une fois. Donc aujourd'hui on va être sur une pêche pélagique, donc pélagique en sharpshooting, donc avec le live. Les conditions sont pas trop mal, il y a pas trop de vent, il y a un peu de vent du sud, il fait pas trop froid. Normalement on devrait trouver 2-3 poissons actifs, donc on va essayer de faire mieux que la dernière fois avec un peu plus de poissons quand même. Et les plus jolies si possible. Donc on va tourner sur la zone là, sur une zone de 2 km. On va chercher un peu les poissons qui sont décollés. On verra, normalement ils sont pas trop profonds en ce moment. Il y a 2-3 poissons actifs. Surtout pas mal de grosses perches. Donc si on peut retrouver ça, ce serait vachement cool. Voilà, j'ai pris le thermique de toute façon. Parce que comme je vous expliquais l'autre coup, bah, les poissons ils sentent vachement moins le thermique que l'électrique. Puis bon, on va prospecter, on va chercher les poissons actifs. Hein. Moi je suis plus de ce style là. Vachement couvrir beaucoup de terrain, trouver peu de poissons, enfin c'est plus dur de pêcher les poissons proprement, mais bon, les poissons qu'on pêche souvent ils sont actifs quoi, donc je préfère faire ça. Dès que je vois un écho, je me mets au point mort, je recule ou je m'adapte par rapport où est le poisson, je cible, je lance, je lui présente le leurre. Donc là on va pêcher un peu plus léger que d'habitude parce que les poissons on est en hiver, c'est vrai qu'ils sont vachement plus calmes, ils sont moins actifs, ils viennent quand même fort sur les leurres, mais faut les pêcher à peine plus léger quand même, donc plus tatillonner sur leur tête avec les leurres. On va essayer de cibler le poisson assez loin, on peut même plus se rapprocher que le thermique, du coup c'est plus avantageux pour nous, puis essayer de vraiment lui présenter proprement devant la tête, et puis on verra sa réaction. C'est un bon poisson. Normalement il faut leur lancer un peu derrière puis leur présenter devant. Et au final je leur descends vraiment sur la tête pour qu'ils aient une vue sur le leurre depuis le haut. Au chat je leur lance derrière pour leur passer tout doucement sur eux. Souvent les poissons au premier lancer, s'ils prennent pas, ils prendront pas. Mais ça arrive que des fois en pêchant avec une autre façon, bah, on arrive à les déclencher quand même parce qu'on sait pas si la présentation était vraiment bonne. Bah là j'ai 3 cannes, du coup j'ai la Versatile Soft, donc avec un petit prochat dans 14 cm. J'ai la Versatile Light avec un finesse, un stick 16. Et puis sinon bah, j'ai la grosse canne avec un prochat de 23 Lemon Tiger si jamais je vois des grosses silures ou des plus petits silures. Ça permet vraiment d'avoir tout ce qu'il faut pour pêcher un maximum toutes les espèces comme on veut. Puis j'ai toujours un big eye ou un petit leurre à perche qui traîne quand même. Même si souvent les grosses elles arrivent à gober quand même les sticks finesse 16, c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Ou les prochats, donc voilà. Là par exemple il y a un gros poisson et il est solide sur. Vraiment solide sur. Allez, il s'en fout complet. Encore un poisson là. Putain, il y a vraiment du poisson de partout. Celui-là il arrive. Il est au cul du leurre. Oh, comme dit un voir. Bah là, ouais, c'est vrai qu'on va plus cibler les poissons qui sont décollés. Dans moins ils sont profonds, mieux c'est pour l'activité qu'ils auront. Là, il y a un silure par exemple. Donc, ouais, je mets mon échelle à 14-16 mètres. Ça dépend des jours. Des fois, les poissons, on va les trouver vachement profonds. Puis des fois, on va les trouver plus haut. Donc on va quand même chercher les poissons qui sont relativement haut dans la couche d'eau. Là il y a un gros poisson d'ailleurs, très gros poisson même. Attention. Voilà. Ça c'est un silure. Là je l'ai pris sur la Versatile Soft. Un silure c'est un gros brochet, il fait le mètre. Je te le dis, c'est un brochet maîtrisé ça. Allez mon gros. C'est un brochet qui fait le mètre, je viens de le voir. Donc là ça va être short, on est en 60 centièmes. Allez, on va le faire. Il fait le mètre, c'est sûr. Je l'ai vu, il est vraiment gros. C'est bien que tu vois la caméra, même si on le décroche. Surtout que je suis en 60 centièmes. Il est énorme. Il est vraiment énorme. Je laisse un peu de mou quand même parce que putain de merde. Je sais pas combien il fait. Il fait large le mètre. Je crois qu'il fasse une chandelle. Non, 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 non. Yes. Bon, on commence bien. Là, il y a un beau fish là. Il y a un vrai gros fish. On va sortir la toise, on va le mesurer tranquillement. Tête d'amour quoi. Il est énorme, je suis énorme. Bon, celui-là, on va voir tout de suite à quoi je l'ai pris. Voilà le leurre on l'a. C'est un prochat de 14. Le prochat de 14, il est loin d'aller. Loin d'aller la gueule. Voilà, on va le décrocher. Donc voilà. Bon, il m'a coupé par contre. J'ai les doigts complètement en sang. Je vais me rincer les doigts. Donc, tout petit prochat de 14. Comme d'hab, ils sont sur des petites proies, sur des petites ablettes. Donc là, on va mettre la toise à plat. Donc là, la toise bien à plat. Oh, il fait quasiment, oh, il fait 115,5. Un bœuf, il est énorme. Comme il est gras, c'est impressionnant. Un poisson de malade, très gros poisson. Vraiment enculé, bon je suis refait. Poisson de baiser.
Énorme. Énorme. Un monstre. Bon bah content quand t'attaques le matin comme ça, de cette bonne augure comme on va dire. Puis voilà, on va continuer, on a vu pas mal de poissons, franchement on a vu beaucoup de poissons. J'ai vu son petit frère avant mais c'était un cendre. J'ai vu un gros poisson qui faisait bien, il est plus de 80 cendres aussi juste avant. Il a mis un refus de malade. Et là bah gros brochet, donc franchement ça peut pas être mieux. On commence super bien et là faut que ça continue comme ça. Ce serait bien de refaire un ou deux poissons puis de faire toutes les espèces, ce serait cool quand même. Mais là ouais il y avait vraiment un beau poisson, la canne elle, franchement elle a supporté nickel. C'est nickel, la puissance pour pêcher en pella, la 10-40 elle est top. Parce qu'on peut pêcher que des leurres super légers et puis des leurres quand même bien plombées. Donc ouais franchement la canne nickel, rien à dire. Arrive fort, ça suit, c'est tout ce que ça fait. Si encore, ça c'est des grosses perches, ça c'est des perches qui passent les 40. Donc. Bah après le finesse, moi ce que j'aime bien, c'est vachement animé, des petites animations, toutes petites animations, ça fait vachement bouger la queue, c'est vrai que j'aime bien. Sinon, des fois des animations plus sèches. Un peu comme si on dartelle l'heure et puis qu'ils fassent des grands écarts, des grands bonds. Ça les poissons ils aiment bien aussi, ça les énerve bien souvent. Tu vas filmer l'action parce que lui je sens bien qu'il va taper, tu vois. Attention. C'est gros aussi. Ça c'est un cendre. C'est un beau cendre ça même. Très beau cendre. Oh, regarde ça. Voilà. Encore un beau fiche là. C'est cool. Un beau poisson. On peut stick finesse une perche, il est. Rangé de chez rangé. Comme on peut voir, on voit plus. Donc on va le mesurer. Encore un beau fiche là. Un poisson qui fait bien pas loin de 70 je pense. Donc voilà, un poisson qui fait 73 tu vois. Poisson 73. Un beau poisson. Ah, c'est la belle passe, t'es prêt? Putain, à peine court. Attention, il monte. Attention, regarde, attention. Là, il y a un fiche. Ça, c'est plus gros que tout à l'heure, ça fait bien les 80. Ça. C'est un très gros cendre. Ah, il est monté, voir, il a mis un refus de malade. Bon, c'est que finesse, ça lui a pas plu. Ça veut pas dire qu'il faut changer d'heure, hein, franchement. Et les poissons ils sont pêchés tous les jours aussi, donc les poissons il y a au bout d'un moment donné, il suffit que ce soit le bout de 80, le bout de 60 centièmes qui lui ait fait peur et puis voilà. Le leurre, moi je pense que ça sert à rien de se casser la traite à trop changer. Peut-être mettre plus léger, plus lourd de tête plombée, puis s'inciter sous le poisson, ok, mais alors nous, ce qui est attractant et puis changement de leurre, moi j'y crois pas du tout. Je me vois pas, là, c'est bon. C'est qui fait 2 mètres celui-là, je te jure que c'est vrai. Du coup là ouais j'ai pris la sumbête spéciale. J'ai mis un prochat de 23 lemon, il y a un gros silure. Et là il a l'air de, ouais, de nous faire tourner en rond comme ils savent bien faire pour se barrer. On va essayer de le repêcher un peu quand même. Prendre de l'avance. Là faut dire que Jacques va bien lui présenter. Alors là on est revenu sur la zone où on était ce matin, donc on a fait les... Bah, on était ce matin, on est encore le matin, hein, ça fait moins d'une heure qu'on y était. Où on a fait le beau brochet puis le cendre. On a vu pas mal de poissons ce matin en arrivant, donc quelques gros. On est revenu, on a vu peu de poissons, donc là on va carrément bouger, on va changer de secteur parce que les poissons à force d'être matraqués, bah forcément ils voient passer des leurres, ils fuient. Donc là on va traverser, tourner sur d'autres zones qu'on n'a pas encore fait. Où personne n'est encore allé parce qu'il y a quand même quelques bateaux aussi présents sur le poste. Et puis on va essayer de trouver des poissons qu'on n'a pas encore vu de bateau aujourd'hui. Stick finesse. Là il a vu l'heure. Il y a voir. Non, je pense pas. Il refuse à chaque fois, tu vois. Bon, bah alors là, du coup, on bouge.
Il y a une belle lumière, une belle luminosité, donc les poissons vont sûrement monter, enfin normalement c'est bon quoi, les poissons montent bien en pélagique quand il y a du soleil. Donc on va continuer, on a rechangé de poste, on est arrivé, on a vu un poisson correct, poisson de 60 cm à peu près actif, donc on va continuer puis essayer de trouver 2-3 poissons à faire au milieu des bateaux parce qu'il commence à y avoir pas mal de monde. Bon alors là on va changer un peu d'approche, on a beaucoup pêché au naturel ce matin avec le Blick, le Stickleback et le Arkansas. On a pas eu, enfin on a eu des touches le matin en arrivant et puis là après ça s'est vachement calmé, beaucoup de refus. Donc là on va commencer à aller sur un, je vais partir sur un petit chartreuse à Youx, sur un coloris pétant pour changer un peu, j'avais ça ou le Lemon Tiger, je vais essayer le chartreuse à Youx parce que c'est un coloris qui m'a bien rapporté des poissons ces derniers temps, puis comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo. Donc on va essayer un ZPS 14 en chartreuse à Youx sur 15 grammes de tête pombée, puis essayer de pêcher proprement. Attention, attention. Pour moi, c'est encore un gros poc. Encore un gros poisson au ZPS. Voilà. C'est cool. Poisson qui fait plus de 80. ZPS 14 et un bon poisson sur la toise encore. On va mesurer ça. Donc un bon poisson, alors il fait, il est obèse, hein, il a un bide de malade. C'est un poisson qui fait à peine plus de 95, tu vois. À peine plus de 95. Voilà. Non, bon, de toute façon, on va continuer pareil, chercher les poissons. On va peut-être plus pêcher avec des leurres pétants. Et puis, bon, on va continuer, chercher un peu, essayer de peaufiner tout ça. Il y a 2-3 poissons qui traînent, donc c'est bien avec un à 2-3 à prendre. Mais bon, après, ils sont vachement difficiles. En espérant que le coup du soir, ils soient un peu meilleurs, c'est ce qu'on verra. Encore une fois, au slick finesse, une perche là. Encore un beau poisson. Je vais le décrocher dans l'épuisette par contre. Parce qu'elle a triplé prix. Bien coupé. Donc un poisson qui est encore gros, mais. Donc là, le poisson il fait 82-83. C'est une belle moyenne aujourd'hui. Pas un poisson en dessous de 70. Des beaux poissons, là, 95, 83, 73 et puis 115. Impeccable. Des poissons en pure forme avec des gros ventres. Ils se gavent à la blette. Bon bah du coup encore un poisson, on m'arrive à gratter 2-3 poissons par-ci par-là. Cette fois-ci c'était pas sur le ZPS, c'était sur le, encore une fois, stick finesse ou une perche. Donc ça aurait fait quand même un cent à brocher sur cette pêche-là. C'est un peu le leurre que j'utilise le mieux en ce moment, franchement sur les grosses perches, sur les cendres, il marche vraiment bien. Ce coloris-là surtout. Donc on va continuer, on va essayer de gratter encore un ou deux poissons, ce serait bien de faire un gros cendre, ce serait cool quand même, c'est un peu ce que je cherche là. Bon alors, fin de la vidéo, donc fin de la journée, donc on aura tourné sur une journée, c'est bien, on s'est bien débrouillé je trouve, on a fait peu de touches, bon on a fait 4 touches pour 4 poissons, et on fait quand même une sacrée moyenne sur les 4 poissons, c'est ça qui est cool, 4 jolis poissons, beaucoup de refus, beaucoup de refus, quelques poissons actifs, surtout les brochets étaient sortis, les cendres un petit peu ce matin, mais on n'a pas vu 50 aujourd'hui, globalement une bonne journée, et puis un bon moment passé sur l'eau, avec les bonnes conditions, tout ce qu'il fallait, on était bien.